Stéphane Mallarmé. Il y a un petit cordonnier naïf et bossu qui travaille devant de douces vitres vertes. Le dimanche, il se lève et se lave et met sur lui du linge propre et laisse la fenêtre ouverte. Il est si peu instruit que, bien que marié, il ne parle jamais, paraît-il, sur semaine. Je me demande si le dimanche, quand il promène, il parle à sa femme vieille, toute courbée. Pourquoi fabrique-t-il des souliers? Marche un peu. Hein? Il fait son devoir et fait marcher les autres. Aussi, il y a une pureté dans le petit feu qui s'allume chez lui et lui comme de l'or. Aussi, lorsqu'il mourra, les gens au cimetière le porteront, lui qui les aura fait marcher. Car Dieu aime bien les pauvres et les pierres. Il lui donnera la gloire d'être porté. Ne riez pas. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Tu n'as pas la douceur de cette lueur verte qui passe doucement par la vitre entrouverte où il taille le cuir et croise les cordons. Crois-tu donc, toi qui mets des ornements, et parce que tu plais à des femmes en parfum, que tu as sur le front ce vert rayonnement d'une douleur triste et douce comme une chanson? Oh, petit cordonnier, cloue tes clous encore longtemps. Les oiseaux qui passeront au doux printemps ne regarderont pas plus les couronnes de rois, ton vieux couteau qui coupe le pauvre pain noir.